On leur dit quoi au sujet des voyages? Moi, j'ai pas envie de les froisser. Je me dors politiquement correct. Mais évidemment, évidemment. Et l'Algérie, alors? Ah, j'ai beaucoup aimé Rachid. C'est des paysans, hein? Des paysans, pas besoin d'aller si loin, hein. Faites un petit tour par Barbès et puis c'est kiff-kiff, comme on dit chez vous. C'est du second degré. Moi, ça m'a fait rire, quoi. Ah. Je supporte plus le politiquement correct. Susboule un jour, susboule toujours. Ce que je voulais dire par des paysans, c'est qu'on n'est pas envahi par le tourisme de masse comme en Tunisie ou au Maroc. Ah oui. Hein? Nous, quand on a visité la cathédrale d'Alger, on était tout seul. Hein? M'étonne. Rien de tel que notre beau pays pour apprécier la douceur de vivre. Tu sens pas cette odeur de bouse? Je revis. On est quand même vraiment gâtés ici. Vous n'êtes pas d'accord? Moi, j'ai du mal avec la France. Avec Odile, on a décidé de s'installer en Israël. Chao et moi, on part en Chine. Et nous, en Algérie. On part à Bombay. À Bombay? Quel rapport? Je vais faire carrière à Bollywood. En Inde, le pays où les gens se prosternent devant les vaches. J'ai la solution. Nos gendres n'aiment plus la France. On va leur faire aimer la France. Décidément, vos familles nous réservent toujours de belles surprises. Mais qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, Claude? J'en sais rien. On va toutes se voir à l'accouchement de Laure. Ah, mais Laure n'accouche pas en Inde. Non, je partirai après. Poussez, poussez, poussez. Allez, poussez. Il est noir comme un Sénégalais. Ah, oui. C'est vrai qu'il est particulièrement... Hein? Le sang noir est plus fort. C'est la puissance africaine. Il est très, très noir quand même. Alors, ça te dérange? Non, pas du tout. Je ne sais même pas. Non, mais c'est simplement que Laure est très blonde et que je pensais que... C'est un constat, hein. C'est juste un constat, chérie. On a encore le droit de constater dans notre pays. Oui. Alors je constate, voilà.